donc dans un salon tout neuf que les 11 jurés du prix Goncourt ont délibéré cette année pour décerner le prix 87. Je vous propose d'entendre eh bien, le nom du lauréat. Il faut savoir également que ceux du Renaudot se sont réunis pas très loin sur le même palier dans le même restaurant. Alors le nom du Goncourt maintenant avec Sylvie Marion qui est sur place. Le prix Goncourt 1987 a été attribué au sixième tour de scrutin à Tahar Ben Jelloun pour la nuit sacrée par 6 voix contre 2 à Guy Hockenghem pour Ève, 1 à Angelo Rinaldi pour les roses de Pline et 1 à Ya Ding pour le sorgho rouge. Avait obtenu des voix au tour précédent Christiane Baroche, Marie Cardinal, Philippe Le Guillou, Marie Nimier, Nicolas Saudret et Denis Tillinac. Je vous remercie. Au second tour de scrutin, par 6 voix contre 3 à Tahar Ben Jelloun, pour la nuit sacrée, le prix Théophas Renaudot 1987 a été attribué à René Jean-Claude pour son roman L'enfant halluciné. Voilà, nous...